Ik maak bloedserieuze dingen, maar ook veel lach- en plezierwerk. Bon, Ed van der Elsken, c'est un photographe néerlandais. Il était non seulement photographe, mais aussi cinéaste. C'était un photographe de rue. Et ce qui est important chez lui, c'est qu'il s'impliquait dans son travail. Lui, il est là dans chaque photo, dans chaque film. Il est comme le régisseur de sa propre vie et de la vie des autres. Et comme beaucoup d'artistes, Ed, il part pour Paris et il va se promener dans la rue, dans Paris, essayer de trouver des sujets à photographier. Et là, dans les cafés de Saint-Germain, il rencontre un groupe de jeunes et il se reconnaît dans ce groupe de jeunes. Ce sont des paumés, ils boivent, ils traînent dans la rue, ils sont un peu malheureux. Mais il commence à les photographier et à les photographier comme s'il était l'un d'eux. Vanni Meyer, c'est une jeune Australienne qui est venue pour danser à Paris, qui danse dans des clubs de jazz. C'est une belle rousse et tous les garçons de ce groupe, Ed inclus, sont un peu amoureux d'elle. Elle est belle, elle est vivante, elle est joyeuse et elle devient la muse d'Ed. Et bon, il la photographie, elle devient, dans ce livre qui paraîtra plus tard, Une histoire d'amour à Saint-Germain-des-Prés, la figure centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, c'est un roman photo, c'est une fiction à partir de ces images documentaires. Mais 20 ans plus tard, il va la revoir en Hollande et il lui demande de raconter ses souvenirs de Paris, du Paris des années 50. He was my first number one cat. Yeah, talk a bit about Pierre. Who, Pierre? Oh wow, man, let's just see. He's great, you know, like, he went off his rocker, you know, he went nuts and he finished up in the loony bin and he was in prison for a long time. And then, afterwards, he went into a monastery. Atakando, c'est une Hongroise qui était elle-même aussi photographe. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Atakando est un peu plus âgée que lui. Elle a 3 enfants. Il va vivre avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire toute sa vie aussi, c'est qu'il photographie sa vie de famille. Je suis thuis. Vrouw, mijn kinderen, vrienden. En ik versla met plezier jong rebelstuig. En ook wel het opblazen van een of andere kapitalistische uitbuitersrotbank. Il est retourné, il est vrai, dans les années 50 à Amsterdam. Et il s'intéresse à cette culture de jeunes, des jeunes qui ne sont pas encore adaptés à la société civile, qui sont parfois un peu extravagants. Et il va le photographier toute sa vie, non seulement à Amsterdam, aussi à Tokyo et dans le monde. C'est les années 60, c'est la mini-jupe. Elles ont été interpellées par lui. Il les a visées de loin. Ensuite, il a pris une autre lentille et il les a approchées avec sa caméra. Clairement, il y a un contact. Et c'est ce qui arrive très souvent dans ces photos. Pour lui, le livre, hein, c'était son médium idéal. Et il en a fait plus de 20. Ce sont des maquettistes, des graphistes de grande renommée qui ont toujours travaillé avec Ed. Ensuite, Ed, il a fait la maquette lui-même de La douceur de vivre et de jazz. À la fin des années 50, il a fait avec sa deuxième femme un voyage autour du monde. Il a été en Afrique, aux Philippines, au Japon, au Mexique. Et il dit, ce qui m'a frappé dans mon voyage autour du monde, c'est la résilience des gens qui vivent dans des conditions parfois affreuses, tristes, pauvres, mais qui ont une énorme résilience. Alors il dit, la différence pour moi entre cette période parisienne et la période de la douceur de vivre, comme s'appelle le livre en français, c'est cette reconnaissance de la vitalité de l'homme. Je pense que c'est une approche profondément humaniste. Le Japon, il a été pour la première fois pendant son voyage autour du monde,
en 59-60 et il a été fasciné par cette culture qui était encore très ancienne, très traditionnelle et qui commençait à changer. Et il a fait un très très beau livre du Japon dans les années 80, La découverte du Japon, et il a commencé à travailler sur un diaporama. Il s'est dit, j'aimerais commencer non par l'image mais par le son. Et c'est donc une sorte d'hommage à Tokyo. Ce qui est très marrant, c'est que Ed, à un moment donné, a dit « J'aimerais qu'on me mette une caméra dans ma tête pour que je puisse, 24 heures sur 24, photographier tout. » Ed, il recherchait toujours ce qui était hors du commun, mais aussi l'amour qu'il portait aux gens, l'amour des gens entre eux. Il regarde souvent comme un sculpteur, mais il y a une grande atmosphère érotique autour de beaucoup de photos. La vie folle, ou en tout cas, lui qui essaye de montrer un peu le hors du commun, oui, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup son travail. Ik bezing het leven. Ingewikkelder ben ik niet. Maar ik bezing dan ook wel alles. Liefde, moed, schoonheid. Rij op, jongen, kijk voor je.